Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Philippe. On se retrouve pour une nouvelle enquête, une nouvelle découverte d'un lieu inédit sur ma chaîne. Mais avant, j'avais déjà fait une petite vidéo, mais c'était raté. L'expérience avait foiré. Mais par contre, une fois d'avance, j'étais venu sans caméra, j'avais eu de bons résultats. Ici, on avait entendu marcher. Là, ici, sur cette barrière, j'ai photographié un orbe. Dans cet arbre, je vais photographier un autre orbe. Et moi et Michel, nous avons la sensation d'être complètement encerclés. C'est-à-dire, de tous les côtés, on entendait des bruits de pas marcher, on entendait du siffler, on nous achetait des pierres, du bois, une branche, et ce qu'on veut. Et en fait, il était trop tard et nous avons été obligés de partir. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus. Je ne suis pas tout seul, je suis avec ma compagne Stéphanie, qui est ici. Et pour vous faire la visite guidée, si on peut, de ce bel endroit de ma région, dans le secteur de Coincy, dans le 02, dans l'Aisne. Donc voilà, un lieu de légende et d'inspiration. La légende dit que le roté du diable aurait en fuyant devant le soleil, le vent, répandu des blocs de grès sur Coincy, et ces roches aux formes de toutes les plus originales que les autres, et que ça serait une source d'inspiration pour Camille et Paul Claudel. Donc voilà. La maison de la famille Paul Claudel se trouve à la maison de Villeneuve-sur-Fer où est né Paul. L'histoire du lieu datant d'il y a 9000 ans. Voilà. C'est pas mal. Donc on va aller se promener. Parce que nous ne sommes pas là pour résumer cette histoire, mais enfin, on va la découvrir ensemble. Et nous allons nous promener là-dedans. Et je me suis dit que ce serait un bel endroit pour essayer d'établir un contact avec diverses esprits entités du lieu. Vu que les premiers contacts, la première fois qu'on est venu, eh ben on a eu des belles surprises. Comme je vous dis, ça courait dans cette pièce. Et on a entendu pas mal de choses. Donc, une conversation d'Ovidus qui a duré plus d'une heure et demie. Un endroit bien précis que je vais vous faire montrer. Et quand on est dans la maison, la caméra n'avait rien filmé. Elle a filmé une image noire. Mais nous, les 5-6 personnes, on a assisté à quelque chose de génial. Mais malheureusement, le destin a fait que les images ne valaient absolument rien. Alors, il y a pas mal de choses, de plantes naturelles. Il y a une pelouse de sable. Il y a pas mal de belles choses à découvrir ici, en tout cas jamais vu. De belles plantes naturelles. Profitons-en tant qu'elles sont encore là. Alors là, comme vous l'avez compris, je viens 2 jours, mais évidemment, je refais une partie nuit. Quand je pourrai, je reviendrai refaire une autre partie nuit. Donc, soit ce soir, soit demain, soit dans la semaine, mais je vais revenir faire une partie nuit. Moi pour l'instant ça va. Alors moi au senti ça va très chaud, il a fait très chaud aujourd'hui, il a fait 39 degrés à Londres. On est en pleine canicule, c'est la crise partout, tout le monde en parle et l'information j'en parle. On va avoir la pire canicule depuis 2003. Donc voilà. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 24
Et il est actuellement, normalement j'ai l'heure sur la vidéo, mais il est actuellement 20h45. Et nous sommes assiégés par les bestioles, comme d'habitude. Voilà comment ça se présente, il y a une grande place, des chemins de randonnée. Vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez faire du vélo, mais c'est pas trop conseillé, parce que ça dégrade tout. Le mieux c'est de venir à pied, en famille, et faire une belle balade. C'est très beau, c'est enfin, c'est très beau. Quand tu aimes les bois, la nature, les pierres, c'est pas mal. Évidemment, il y a des bruits derrière moi, des bruits de voiture. C'est la route là-bas. Et le contact que nous avons eu la dernière fois, le fameux contact s'est déclenché à partir d'ici. Contact que nous avons eu la dernière fois, c'est déclenché à partir d'ici. Voilà, moi j'étais ici et en fait je filmais par là. Et donc les choses qu'ils ont répondu à l'Ovidus, à la Peribox, mais que je n'ai pas pu filmer, ben, j'ai filmé mais dans le vide. Voilà, j'ai bouffé 2 heures d'enregistrement de batterie, de pile pour rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça aussi le mystère des enquêtes. Ça ne jamais, on dirait pas que c'est une enquête, c'est pas le suspense. Ce qui était là, bah, courait là et grognait. Faisait des bonds en allant, j'ai tout fait, c'est une mais j'ai bien éclairé, mais j'ai rien vu. Par contre, on entendait bien courir, et ça a interagi avec nous. Donc on essaiera de retenter l'opération. Nous allons vous montrer quelque chose de beau à voir en haut, qu'on ne voit pas toujours. Nous allons essayer de vous montrer, de partager en même temps. De partager, de découvrir en même temps que vous. Ah ouais? Hein? Je sais pas. T'as beaucoup mal au ventre? T'as dû te mettre plus de ce côté-là du rocher. L'autre côté, là. Vers moi. Non. Encore, tourne. Mets-toi là. Vas-y, mets-toi là. Voilà. Tu bouges plus de là. Vous savez ce qu'on va faire? On va tenter tout de suite une séance d'Ovidus pour voir ce que ça donnerait en plein jour. Alors peut-être je bouge, peut-être je tremble, excusez-moi pour le cadrage, évidemment. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. On va voir ce que ça donne en plein jour. Par contre, je sais qu'il y a du monde. Islamisé à droit d'auteur. Islamisé? Ah bon? Foucault. Qu'est-ce que... la droite d'auteur m'empère. Ouais. Pourquoi islamiser? Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Je comprends pas. Prime. Ouais. Producteur. Producteur de vidéos, tu veux dire? C'est ça? Ah oui. Cours. Non, j'ai pas envie aujourd'hui. J'ai pas envie de courir. Tiens, me ramène. Oui, mais j'ai pas envie. La dernière fois, tu m'as fait courir, mais aujourd'hui, je ne courrai pas. Géographique.
Je peux courir tous les jours. Mais des fois, je ne cours pas, ma poule. T'es où? Puisque. Où tu es? T'es là? Bon, ça c'est un rat ou un lézard, ou une grosse salamandre. Paraîtrait qu'il y a beaucoup de salamandres. J'en ai déjà vu il y a longtemps, je ne sais pas s'il y en a toujours, mais c'est possible qu'il y en ait encore. Alors pourquoi tu veux que je coure? Je peux courir moi. D'ailleurs, il n'y a pas d'idée, pas de raison particulière pour que je coure. Si je cours, je vais tomber. Propension. Ouais, vas-y, je t'écoute. Griffes. Il y a des griffes ici. T'en as vu? Redire. Tu as vu des griffes ici? Peux me redire. Tu peux redire tout ce que tu veux. Je t'écoute. Écoute attentivement. D'ailleurs, je suis venu pour t'écouter ce que tu as à me dire. C'est le but. Automobiliste. Oui, je suis venu en voiture. Après, qu'est-ce que tu as remarqué sur moi? Tu as bien remarqué quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? J'ai quoi dans mes poches? Vas-y, on va jouer, je suis joueur. Qu'est-ce qui se trouve dans mes poches? Vas-y. Qu'est-ce que j'ai offert la dernière fois que je suis venu en offrande? T'as plus envie? Mon avis, il est vexé. Ça c'est moi en fait. Quand j'approche trop près. Ben, je crois. Non. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai tapé sur la caméra, c'est pas moi. Par contre, si je fais ça, oui. Bon. Alors, tu veux plus me parler? Je crois savoir pourquoi. Comme il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Voleur, tu as droit d'auteur. Qui est le voleur? Voyeur. Ça, c'est son nom, mais son prénom. Canada. Au Canada, il y a des voleurs? Des voleurs de quoi? Qu'est-ce qu'ils volent au Canada? Il y a quoi à voler là-haut? Y a quoi à voler au Canada? Ah vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux voler au C'est Canada? les rabbins. Il y a des rabbins? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es un soldat tué pendant la guerre? Est-ce que tu es un soldat allemand? Tu es un soldat allemand. C'est pour ça que je te dis ça. Staline. Staline, t'es un soldat russe. Tu es un soldat russe. Associé à droit d'auteur et... Associé au soldat allemand. T'es un soldat russe associé au soldat allemand. D'accord. Et tu faisais partie de la guerre. Mais quelle guerre? 14-18, 1940. Tu peux dire lune Pas ou droit d'auteur ni pense. pénitence. Songeur. Ah bon? Pourquoi?
Pourquoi son jeu? Bon, bah nous allons bouger. Diabolique. C'est diabolique. Ralenti. Ralenti? Bribe. Bribe? C'est quoi bribe? Qu'est-ce que t'appelles bribe? Combat. En fait, c'est toi qui m'as fait ralentir. Chocolatard. Ouais, on a mangé des merguez. Assimilé. C'est pour ça que t'as. Bon, excusez-moi d'être impoli, c'est pour ça que t'as été au shot. C'est les saucisses qui t'ont. Les chipolatas qui t'ont fait chier. Oh, ça, Et en fait, lui, en. Excusez-moi de dire ça, mais en fait, Stéphanie est. instrument. Ouais, c'est énervant, hein. Boiteux. Subtilité à droit d'auteur. Ouais. Est-ce que t'as vu Stéphanie aller là-bas? C'est cette bestiole. Les petites pensent à droit d'auteur et à l'esprit. Évidemment qu'on pense à vous, sinon on serait pas là. T'es obligé. Ouais. Voilà. Je suis assez une bestiole. Ça va encore de pas être l'eau froide. Ouais. Bon, ça, c'est sûr. Lui, il a trouvé le moyen de faire sonner le l'Ovidus. En attendant, on entend une musique bizarre depuis tout à l'heure. Quand vous écouterez la vidéo, mettez le son à fond. Derrière, il y a la musique bizarre. On dirait des prières. Alors, je sais pas si c'est. Je sais pas si je suis seul à l'entendre. Foule de quoi? Je ne sais pas si je suis seul à l'entendre, mais lui, le démon, là, il m'énerve. Alors, je vais l'éteindre. Alors, on va voir si on peut voir le fameux rocher. Ah, c'est lui, le rocher du diable. Nommé ainsi. Rocher du diable. Dont la hauteur du diable. Alors, il y en a qui grimpent ici, évidemment. On escalade, ce genre de choses. Ouais. Il s'accroche pas au matériel en fait. Il faut juste qu'il y ait écrit un peu partout. Là aussi. D'autres choses qui ont un peu partout. Qui a une bonne hauteur. Ils ont bouché évidemment. Ils ont faire le tour. Là-bas? Voyez les bêtes en guerre, un peu de tout. Ce sont des bruyères. C'est un bel endroit. Hein. Patine. Vous voyez le rocher du diable. Loin, ça donne ça. Il est assez balèze. Une drôle de forme d'ailleurs. Il y en a qui vont tout en haut. Hein. Puis bah, on a toute une panoplie de gros rochers, de sable. Normalement,
ça. C'est pour ça que je voulais passer par l'autre côté. Bah, c'est pareil. Mais bon, ouais. Pas grave. On va arriver à monter avec une corde. Écoutez, ça sent plus rien. Ah vas-y, je sais que tu peux le faire. On continue. Notre objectif. Des gens qui chantent. J'espère qu'on va pas les surprendre. On va essayer de faire tout petit et de poser.
rester là pour la première partie. Et du coup, nous ferons une expérience de nuit. En tout cas, merci d'avoir suivi mes vidéos dans la même chaîne. Je vous fais un million de bisous. À la prochaine.